C'est un plaisir. Me retrouve vous une deuxième fois dans notre deuxième épisode. On souhaite vous la bienvenue. Moi, Pouchon, et nous avons un grand honneur pour faire l'accueil, pour accueillir nous Swamiji. Swamiji, namaskar une nouvelle fois. Namaskar. Swamiji, si nous guettons notre premier épisode, nous allons un petit peu plus profond de ça. Ou dire que the way of life. The way of life, ça veut dire nous avons une manière de vivre. Nous avons une façon de vivre, comment vivre. Et on mentionnait que c'était pour toi qui nous dit Namaskar. Oui. C'est quoi Namaskar? Oui. Donne-nous la vie. Comme dit. C'est une grande culture, ça, pour dire Namaskar. Namaskar. Et surtout, nous avons de la main, 10 les doigts, qui représentent 10 sens qui nous avons. Nous la main, les pieds, les oreilles, les yeux, la langue, tout ça là, il représente, etc. Il représente ça 10 sens, nous en a 10 les doigts. Alors, nous joignons tous les 10, les doigts comme ça, nous constellons avec nous les cœurs, un petit signe comme ça, nous dire Namaskar. Et qu'est-ce que ça comment joli? Ça va les doigts qui sont là et on va prendre l'énergie là-dedans. Remplir l'énergie.
quand nous joignons tout ça là, il dégage une énergie extraordinaire et calme, tranquille. Et quand nous costez contre l'équerre, il fait nous cerveau vin frais, il donne nous une tranquillité intérieure et en même temps, nous peut prononcer Namaskar pour sa personne, ce qui est devant nous. Il est capable grand, il est capable petit, mais ça signe Namaskar, ça parole sortie Namaskar et ça zeste qui... C'est un genre de respect. Oui, exactement. Oui. Ceci nous peut causer une signification. Normal, il y a son respect là-dedans. Et il y a un mot qui nous dit Namaskar. Il y a deux mots, une alliance. Un Namaha et deuxième Kar. Namaha plus Kar, Namaskar. Namaha veut dire humble. Ou bien namra, mou. Namrata, calme, doux, tranquille. Et car veut dire un mouvement, une action. Un zeste. Ça même qui nous dit namaskar. Veut dire, quand nous disons namaskar, imagine ça, une des significations là. Avec mon équerre, tout mon bon sens ensemble. Avec mon équerre, mon père salue vous, mon père respecte vous, mon solidaire en vous, mon une grand estime pour vous. Tout ça, bon. Tout ça, une signification là, li là-dedans. Et il y a encore plus que ça, qui, ce qui m'a oublié de dire. Tout là-dedans là. Donc, sa personne là aussi, ici, il recevoir ça avec son équerre. Il ressentit lui, que sa personne là, avec autant l'amour, autant sincérité, il peut montrer. Qu'il est compte en moi, solidaire en moi. Donc, c'est une grande affaire, ça. Et Getzodi, actuellement, entier le monde peut souffrir avec COVID-19. Moi, encore, peut penser, l'étant président de l'Amérique, qui a l'Inde, il y a namasté, fait namaskar. Normal, tout d'abord, Premier ministre l'Inde, Modi, tu dis à lui namasté. Lui aussi, il répond namasté, avec son la main, comme ça. Namasté. Lui aussi, il fait namasté. Et lui, extra content, l'État, il retourne son pays, lui raconte ça. Son peuple là-bas, il peut dire comment son voyage est passé. Il dit, mon père, il me donne la main là-bas. Mon père, il me donne la main, personne, mon père, il me shake hand. Et ils ont dit namasté, moi aussi, ils dit namasté. Imaginez un petit coup, même le premier ministre Israël, Netanyahou, lui aussi, il dit namasté. Et remarquez ça, Depuis ce coronavirus qui in attaque le monde, il y a beaucoup de pays, même Angleterre, dans les autres pays de l'Europe, de tout, ils commencent à faire comme ça, faire namasté. Ça devient populaire. Actuellement, il est populaire. Après, il est normal, pas qu'il y a un droit de donner la main. Pas chez Ukraine, tout le monde connaît ça. Papa donne bijoux, des côtés la joue, peut embrasser. Non, je tout peux dire namasté, je fais namaskar.
Namasté et namaskar, même signification. Hein. Nous ne pouvons pas dire namasté. Nous disons namaskar, nous n'habitons pas dire namaskar. Ok, namaskar. Ceux qui habitent dire namasté, namasté. Mais même signification. Ça veut dire une grande affaire, ça. Donc, une culture comme ça, et une jolie culture, il ne faudrait pas nous négliger ça. Aujourd'hui, on trouve un européen, comme on veut dire, américain, il fait content sa façon-là. Donc, je mets en pratique tout. Je peux mettre en pratique, extra. Parfois, je peux, comme dit Cosé, on trouve, je peux enjoy ça. Je peux, ce qui est un camarade, pas connaît aussi, peut montrer, je peux. Comme ça, oui. Alors, ça peut montrer. Namaskar a une grande valeur, il est bien meaningful, beaucoup de signification là-dedans. Et là, avec son action qu'il peut faire comme ça, nous bisons, garde sa jolie culture là, content-li et propage-li, montrez-nous bons enfants aussi, fait namaskar. Maintenant, l'autre affaire, il n'est pas nécessaire, un enfant même, il a besoin de faire namaskar pour un grand. Pénonquin, la loi dit comme ça. Un grand, c'est qui on trouve sa personne là. C'est qui on trouve avant, lui-même dit namaskar. Et automatique, lui aussi, il peut répondre namaskar. Il n'est pas nécessaire. Un enfant, il est capable de 5 ans, 4 ans, 8 ans, 10 ans. Alors, on peut attendre, lui, il peut faire un namaskar. Non, j'ai lu namaskar. Définitivement, lui aussi, il peut apprendre ça namaskar là. Et ça allait comme ça. C'est une jolie culture. Garde sa culture là bien. Super, son midi. Nous retrouvons-nous après cette page pub. Merci. Deuxième question de nos premières saisons, c'est tout le monde dans ça les mondes là, hein, tout le monde autant vivre heureux avec beaucoup luxe, avec beaucoup heureux, happy. Mais ma sens, je suis malheureux, je suis unlucky, comment on dit en anglais. Et qui fait ça? Comment ça? Oui, c'est vrai. Tout le monde content, vivre heureux. Il n'est pas content, aucune souffrance, aucun malheur, aucun problème. Il est vrai, tout le monde content, heureux. Mais seulement, il vit malheureux. Comment arrive ça? Comment arrive ça? Sa personne-là,
une besoin faire qui bêtise, commettre qui bêtise, qui erreur par là. Sans erreur, sans qui faute, pas pour arriver ça. Parce que c'est le monde qui nous peut vivre là. C'est grand bon Dieu, le Créateur. Il n'est pas envoyé nous dans le monde malheur, dans le monde rempli de souffrance, douleur. Non. Nous pouvons dire lui-même, bon Dieu, il est bon. Ça veut dire nous qui mauvais, nous qui méchants. Nous n'avons commis une bêtise par là. Nous faisons une erreur par là. Par exemple, vous pouvez marcher, vous pouvez aller. Ben, chemin là quand même qui façon. Si vous connaissez bien ou guette bien, vous pouvez marcher. Ben, vous ne pouvez pas tomber, vous ne pouvez pas glisser. Quand même, il y a la peau banane. Mais si vous ne pouvez pas prendre compte, vous pouvez marcher, comment vous gagnez, vous pouvez aller. Ou les pieds n'est qu'à la peau banane, vous glissez, vous tombez. Vous... Ben, c'est le temps où vous tombez. La main, les pieds, les figures, la tête, tout capable de casser. Capable d'arriver, une affaire grave. Et là où vous souffrez, ou à l'hôpital, ça veut dire où pas une conne marcher. Où pas une conne marcher. Chemin là, quand même, comment il était, si une conne marcher, ou pas vous cogner. Comme ça, même dans la vie, une personne, n'en y a pas, peinant, n'en y a, qui, comme dit Cosé, nous ne pas dire les autres, laisse les autres. Nous-mêmes qui créons ce problème-là. En fait, dans ça, les mondes-là, problème pas existé. Du monde même qui crée problème. Et du monde même qui peut souffrir avec ce bon problème-là. Pareil, comment vous me faites dire. Qui fait du monde-là, il est malheureux. Il est content, vivre heureux, mais il est malheureux. Mais il rend lui-même malheureux. Parce qu'il n'y a pas qu'on vive. Un exemple. Il est ambitieux. Il a envie ça, il a envie ça, il a envie de telle affaire, il peut de ça. Son camarade est en motocyclette, il a envie de gagner l'auto. Si son camarade est en l'auto, il peut rôde hélicoptère. Si son camarade est en hélicoptère, il rôde avion. Une autre période, roquette. Mais ça, l'ambition, ça, l'envie là. Ça, c'est la soif. Pas passé. À ce pour les gagner un l'auto, il vient prendre une l'eau. À ce moment-là, il prend l'eau, il est bloqué. Là, avec ce confinement là. Combien de monde, combien de travail, tout est bloqué. Mais lui, il tient une autre affaire, ben, trop belle l'envie ça. Trop belle l'espoir. Belle l'ambition à ce qui n'arrivait. Mais là, il peut souffrir. Mais s'il te amène la vie normale, ordinaire, simple. Un joli cause dire simplicity is the best quality. Simplicité, il y a une grande affaire, même ça. Mais dans la vie, bien, bien simple. Autant qu'il vous simple, autant ou pour errer. Plus ou pour gagner ça, gagner l'autre. Et là, on peut copier avec les autres. Mais vous avez problème. La vie bien bien simple. Ça veut dire nous-mêmes qui créons ce problème là. Mm-hmm. Nous qui créons le problème. Astier, je me dis. Oui. On fait mentionner problème. Astier, on dit comment faire ce problème là. Comment résoudre ce problème là. Comment faire face à ce problème là. Tout d'abord, moi pour venir là. Tout d'abord, je vous dire, je vous donne un exemple, une jolie fleur rose. Et nous tous nous connaissons fleur rose bien bien jolie. Mais seulement elle est entourée en piquant. Elle est entourée en piquant. Une personne, elle peut sa fleur rose là, elle attrape sa fleur rose là. Elle casse sa fleur rose là.
Les temps les pays envoient sur la mer. Sur la mer dans piquant. Sur la mer dans piquant. Définitivement piquant pour piquer. Piquant, on n'y pas guetté qui ou était, qui ou pas été. Il pour piquer. Mais seulement, du monde là, il a envie de gagner fleur rose, mais piquant qui pique. Ben, comme ça même, ça l'ambition là, on va continuer à aller là. Ça l'ambition là. Ouais. Ça l'envie là. Trop envie de gagner ça, trop envie de gagner ça. Ben, mais prends tout ou précaution et ou pas vise une affaire qui est impossible dans la vie. Après, on va le coincer par là. Donc, précaution. Et vivre, on a une jolie causée comme ça, tal ou les pieds, selon ou drap. Ouais. Hein? Une grande expression là. Ben, à ce moment là, ce qui vous fait dire là. Comment pour résoudre ce problème-là? Problème-là, il finit ou il finit créer problème-là. Ou même on crée problème-là. Personne ne va créer ce problème-là. Ou pas où? C'est comment pour résoudre ce problème-là? On met tout même dans le pied, c'est une façon de dire comment Maurice a dit. Oui. Un pied ou même. Right. C'est comment pour résoudre ce problème? Pour résoudre ce problème-là, il y a une personne qui est un petit peu plus éclairée, une personne qui est intelligente, ou une estime pour lui, un grand du monde. Il est capable de plus petit qu'il est dans l'âge, mais si vous trouvez lui intelligent ou bon camarade, vous allez demander lui conseil. Ou alors, ou estime un grand du monde, ou connaît dans où l'endroit est un grand du monde, ou aller, seulement, ou bien, explique ou problème, cri-cri, ou pas cacher. Ou pas cacher. Il y a deux personnes, jamais ou pas cacher ou problème. Numéro un gourou, un maître spirituel. Jamais ou pas cacher tout problème. Si vous cachez tout problème, ça veut dire que vous continuez à souffrir. Deuxième, un docteur. Côté un docteur aussi, quand vous allez, vous avez besoin d'y aller franc. Qui est le problème? Mon ventre peut faire mal, la tête peut faire mal, quand même, qui peut arriver? Vous avez besoin d'y aller franc. Ah, ça, c'est vous cachez. Si vous cachez. Mais où vous continuez à souffrir? Ça veut dire. Ou bien, besoin d'une personne concernée et où on a une confiance ou connaît qu'il est intelligent, il peut aider, il peut donner certaines idées, certains conseils. Alors, besoin d'une personne comme ça. Définitivement, il peut aider. Comme ça. Et seulement, l'État il donne nous conseils. Il faut les mettre en pratique. Un docteur il donne nous un médicament. Ou venez, ou posez-le sur la table. Ou pas boire. Mais comment vous voulez bien? Ça veut dire, mettre en pratique ça encore plus important. Écoutez. Écoutez attentivement quand ça grandit du monde. Donnez-nous un conseil. Il montrez où une solution. Allez, mettez en pratique. Définitivement, ou vous soulagez, ou pour réussir, ou vous sortir depuis dans ce problème-là. Et dans ce monde-là. Peinant aucun problème que tu es capable de dire peinant cette solution. Bien, je fais une solution. Alors, autre solution là. Chaque question est dans sa réponse. Oui, bien, dans sa réponse. Chaque problème est dans sa solution. Alors, autre solution. Mais, fais attention. Il y a beaucoup de monde qui ont commis une bêtise, commis un erreur grave, astère. Comme dit, l'esprit bloqué, son intellect bloqué, il peut penser à ce terme, ben, mon papa n'est pas capable de sortir de ce problème-là. Alors, je t'ai le droit de suicider. Il y a beaucoup de monde, ça. Donc, bien faire attention. Suicide, ça, ouf, grave. Et ça, ça fait suicide. Sa personne là, imaginez un petit coup qui peut passer dans sa tête là. Comme dit qu'on a un diable, un démon, il rentre dans sa tête là. Et il bouleverse, il attaque son cerveau, attaque son mémoire, l'esprit, l'intellect, tout bloqué,
finalement, lui dit, c'est moi pas beaucoup capable même. Fini, moi pas beaucoup capable sortir depuis un problème là. Lui peut penser, lui peut escape là. Alors pour lui cacher lui, pour lui escape, alors une seule solution, à le suicider. Mais suicide, il n'y a pas une solution là. Quand il y a un mirail, derrière mirail là, où connaît qui est là. Après suicide, qui peut arriver? Peut-être plus tard, nous allons causer un petit peu le suicide, un petit peu plus. Mais pas commettre ça quand des bêtises là. On a déjà fini de commettre combien de bêtises? À ce stade où elle commet une bêtise plus grave. Une erreur plus grave, c'est un péché. Jamais pas faire ça. Donc, à l'heure d'une personne intelligente, à l'heure d'un gourou, un maître spirituel, où guetter, elle cherche une solution pour ça. Et bien dans cette solution. Chaque problème est dans cette solution. Allez à l'heure d'un. Pas décourager. Et en même temps, pense bon Dieu. Bon Dieu grand. Vous priez, elle a une bénédiction. Vous vous soulagez. Pas décourager. Super, ça me dit. Merci beaucoup. À ce note, vous êtes. Moi, je vous donne rendez-vous demain, non? Cela, demain, le 13 mai, à partir de 17h, 5h. Mon rétrojet avec un plus nombre de camarades, de l'entourage. Merci beaucoup. Namaskar.